Bonsoir Michel. Bonsoir. Vous êtes le patron du News Bar. Eh oui, le patron du News Bar depuis une année déjà. Merci. Et voilà, très content d'être là aujourd'hui encore. C'est un bel événement. C'est une première année de la réussite et on en est extrêmement content. Ce soir, c'est l'anniversaire du News Bar et vous avez créé le concept karaoké pour les artistes. Oui, le concept karaoké des artistes, c'est un peu particulier. J'ai voulu créer un karaoké tout à fait spécial avec uniquement des amis musiciens, des amis artistes pour avoir une qualité musicale, comme vous l'entendez, qui est vraiment exceptionnelle pour le plaisir de tous et puis surtout pour leur plaisir à eux. Donc un an du News Bar, et je sais que vous avez aussi d'autres concepts, d'autres événements, d'autres soirées à thème. Oui, on a d'autres événements, entre autres tous les jeudis à 18h, un apéritif avec des concerts acoustiques, avec un certain nombre de ces artistes que l'on entend aujourd'hui, mais bien d'autres également. Et puis on organise beaucoup d'autres choses. On reçoit aussi, bien sûr, le vous rire ici au News avec beaucoup de vedettes, beaucoup de stars qui nous rendent visite aussi pour notre grand plaisir. Le vous rire qui est organisé par les frères Taloche. Les frères Taloche, tout à fait. Et donc nous recevons aussi ici pendant le vous rire toutes les stars, puisque c'est le QG en fait du vous rire ici au News. Le News Bar est ouvert à tout le monde ? Bien sûr, le News Bar est ouvert à tout le monde, avec grand plaisir. On a une très grande clientèle, très très large. Mais voilà, on voudrait surtout en faire un lieu de rendez-vous pour la presse. Bien sûr, c'est notre thème, pour l'information, mais aussi pour les artistes. Quelles sont les ambitions du News Bar ? Les ambitions du News Bar, c'est d'être là encore pendant de nombreuses années. Concept chaleureux et liégeois surtout. Surtout liégeois et chaleureux, effectivement. Bonsoir June. Bonsoir. Tu fais partie du Trocadéro ici à Liège et tu es la chanteuse officielle. Est-ce que tu peux en dire plus ? Tout à fait. En fait, il y a trois revues sur l'année qui composaient d'une saison. Il y a la première revue qu'on a fait cette année, c'était Avomark. Ensuite, on a eu C'est Magique pour la revue des fêtes. Et on a terminé par Il y a trois petits points dans l'air. Une super aventure qui va normalement continuer l'année prochaine avec une nouvelle revue pleine d'émotions. Ah bah écoute, on te le souhaite en tout cas. Quel est ton lien avec le News Bar ? En fait, au départ, c'est mon patron, le directeur du Trocadéro, qui était ami avec Michel, le patron du News Bar. Et de fil en aiguille, je suis venue avec mon patron, forcément, on est venu un peu se montrer. Et Michel et moi, on a bien accroché. Et donc, du coup, je viens pour les karaokés des artistes, venir montrer un petit peu le Trocadéro. C'est l'anniversaire du News Bar, hein, tu le sais, est-ce que tu auras un petit mot ? Oui, tout à fait, bon anniversaire. Et Michel, sors s'il te plaît la bouteille de moelleux, il est temps de fêter ça. Bonsoir Yves, je sais que tu as démarré dans le milieu artistique un peu par hasard, tu n'as pas suivi de conservatoire ni d'académie, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Voilà, j'ai répondu à une annonce d'un groupe qui cherchait un chanteur, j'ai passé le casting, j'ai réussi, et depuis, l'aventure a commencé, concerts, répétitions, un peu partout dans Liège. Est-ce que tu peux m'expliquer ton lien avec le News Bar ? Eh bien, j'ai fait un concert hier avec un duo acoustique de reprise de Queen qui s'appelle Acoustic Queen, guitare, voix, et voilà. C'est l'anniversaire du News Bar ce soir, est-ce que tu auras un petit mot ? Eh bien, très joyeux anniversaire au News Bar, un très bel endroit, il faut absolument venir et j'espère y revenir moi-même pour d'autres concerts. Bonsoir Alexiane, je sais que tu as gagné le concours Vous Rire ici à Liège, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Oui, donc j'ai fait un casting, j'ai été reprise et j'ai fait la première partie d'Albert Cougnier, Jérôme de Warzé et Isabelle Auben. C'était vraiment une expérience inoubliable. Donc tu es chanteuse grâce à ce concours que tu as remporté et donc tu fais des festivals ? Oui, beaucoup. Je suis à l'académie, je fais beaucoup de festivals. J'essaye d'en faire le plus possible. Quel est ton lien avec le News Bar ? En fait, après le Vous Rire, je suis à chaque fois repassée par ici. J'ai sympathisé avec le patron qui maintenant, le News Bar, c'est fantastique pour moi. Et donc tu viens ici pour les karaokés des artistes ? Oui, exactement. Le patron m'a contacté pour venir chanter quelques chansons et ça m'a vraiment fait plaisir. C'est l'anniversaire du News Bar, est-ce que tu auras un petit mot ? Bon anniversaire au News Bar et franchement, je suis vraiment contente d'avoir découvert ce bar.
Bonsoir Philippe, tu es auteur, compositeur et interprète et tu as sorti 3 albums. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton parcours ? Oui, ben là, mon 3e album s'appelle Kamikaze, donc il est sorti depuis 2 ans à peu près maintenant, et voilà, on tourne pas mal avec cet album-là en Belgique et un peu en France, voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer ton lien avec le News Bar ? Alors, le lien principal, c'est que le patron du News Bar est un ami à moi, Michel, donc à chaque fois qu'il m'invite pour la soirée ou pour un anniversaire ou fêter quoi que ce soit, je réponds généralement présent dans la mesure de mes moyens. C'est l'anniversaire du News Bar ce soir, est-ce que tu auras un petit mot ? Absolument, ben, je souhaite une longue vie à toute l'équipe, au News Bar, et je vous fais des gros bisous, voilà. Je vous embrasse. Je te remercie. Comment se passe votre soirée au News Bar ? Super, génial, des super artistes, venez tous, c'est super. Et vous, mademoiselle, comment se passe la soirée ? Parfait, très très bien. Alors, une spéciale dédicace pour ce monsieur dont je suis tombée follement amoureuse. Ah. Chanteur, monsieur, ce soir ? Oui, tout à fait, absolument. Continuez à intéresser mes 2 fans d'aujourd'hui, voilà. Elles sont pas jalouses. Elles sont folles de moi. Il faut pas montrer ça à ma femme. Hein. Faut pas montrer ça à ma femme. Voilà. Comment se passe votre soirée au News Bar ? Super bien ! I love it ! L'alcool sous la fleur ! Love it so much ! Vive le News Bar ! Ouais ! Bon anniversaire ! Bon anniversaire ! Bonsoir, comment se passe votre soirée au News Bar ? Bien. Bien ? Super. Bonne ambiance ? Très bien, très bien. Qu'en penses-tu ? Faut venir au karaoké des artistes, c'est vachement chouette. Merci. Comment se passe votre soirée au News Bar ? Ben, ça se passe super bien, c'est super convivial, il y a un karaoké, on a à boire, à manger, c'est vraiment chouette, on est contente d'être là, on reviendra.